Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Une vidéo par semaine, c'est le dimanche, jour de vidéo. Je vais essayer d'en faire deux par semaine. Ceux qui ne me suivent pas sur Insta, venez, je mets un peu plus de contenu et surtout, je vous donne des bons tips pour la vente automobile. Vous connaissez maintenant le principe, je vous fais voir les véhicules, je vous parle des véhicules rentrés, des véhicules qui ont été vendus cette semaine. Et après, on va parler d'un sujet automobile. Là, pour cette vidéo, en l'occurrence, on va faire une FAQ. Je vais répondre aux questions que vous m'avez posées sur Insta. Et j'en ai sélectionné aussi un petit peu en commentaire. Ok les gars, on commence. Donc ça, vous avez déjà vu, c'est rentré la semaine dernière. Ça, c'est rentré cette semaine. Audi A3, c'est une 2012, 2013, si je ne dis pas de bêtises. Elle a le toit ouvrant, elle a 128 000 km et elle a 12 400 ou 12 990. 208, c'est rentré la semaine dernière. Galère à vendre, ça aussi, c'est un tip que je vous donne sur YouTube, que je vous ai donné sur Insta. En diesel, c'est des pépites, c'est des bonbons. En VTI, compliqué. En plus, elle n'est pas chère. Hein. Là, je l'ai baissé à 5 990 euros. 140 000 km. C'est du VTI. Ça, on a eu une visite hier. Ça sonne bon, mais c'est pas fait. C4 Picasso. Grand Picasso. Dacia Duster, voiture de chasseur. Ça, les mecs, vous l'avez vu. Elle n'est pas encore mise à la vente. C'est un Golf 8. On a déjà parlé vite fait, on l'a survolé. J'ai été chercher en Allemagne. Je vous raconterai l'histoire de cette future culbute. Normalement, c'est sacré pépite. Là, regarde, fais-leur voir. Ceux qui ne me suivent pas sur Insta. Quand je vous dis d'acheter les 208 GT Line, j'en ai rentré une. Vraiment, moins de 24 heures, c'est vendu. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez, on. Voilà. Je dis pas des conneries. Moins de 24 heures, c'est vendu. Je vous ai dit à quel prix les acheter. Celle-là, en l'occurrence, elle a 72 ou 78 000 km. C'est une GT Line 100 chevaux diesel. Voilà, c'est pas une PureTech. Donc, en diesel, toit panoramique. Vraiment, elle a fait moins de 24 heures, la voiture. Elle est réservée. Il y a un bon de commande, 10% d'acompte. Donc, voilà. Et même si ça devrait se retirer, je sais que je la revendrai. T'aimes bien, toi, tu me disais. Petite GT Line. Voilà. Alors, à l'intérieur, bah, c'est. Vous les connaissez déjà. Hein, on a la Golf 8 essence. On a la GTI. On a ce Golf 8 en 150 chevaux. On a le Cupra, le Classe E et le CLA. On a rentré aussi le Golf 8 GTE. J'ai pas pris les clés avec moi. Donc, je sais pas si tu peux leur faire voir ici à l'intérieur. Ça, c'est du 245 chevaux, hybride rechargeable. Il est à 30 500 euros. Il a 46 000 km. Putain, j'ai oublié les clés. Je suis dégoûté. J'ai la haine. Des petites jantes. Assez propres. Ici, on a la bande lumineuse sur le GTE. On a les feux. On a les EQ Light sur celle-là. Ouais. On a les feux dynamiques. Alors, à l'intérieur, bah vous connaissez déjà les véhicules, comme je vous ai dit. On les a vus sur les deux vidéos précédentes. Bah, c'est un peu calme. C'est un peu calme sur ces véhicules-là. C'est du gros budget. C'est pas des voitures qui se vendent comme ça. Ah, on a vendu la petite A3 berline qui avait 7 000 km. Très bien vendue d'ailleurs. La Cupra, il y a des appels. Ça sonne pas. Celle-ci, j'en ai vendu une très rapidement. La même, je la vends pas. Après, c'est des véhicules qui font 3 semaines qu'ils sont sur le bon coin. Hein, donc voilà, ça fait 3 semaines qu'ils sont sur notre site internet. Il n'y a rien d'alarmant. Ça va se vendre. Tout se vend. On est dans une période. Alors, les 2 premières semaines étaient très très bien. Très très belles. Et puis, ça s'est dégradé au fil des semaines. Mais c'est ça, c'est l'automobile. Par exemple, cette semaine, on a fait moins de ventes que la semaine dernière. On est à 5 ventes. Là, on est le sixième jour où je vous tourne cette vidéo. Ça fait quasiment une vente par jour, ce qui est déjà très bien. Mais les bénéfices, les marges qu'on a fait cette semaine sont beaucoup plus intéressantes que les marges de la semaine dernière. Donc voilà, moins de ventes, mais avec des marges assez conséquentes. Tout ça, c'est des véhicules qu'on peut vendre vite si on décide de les brader, mais c'est pas le but. On est sur un mois qui est plus que correct pour moi, donc
Patience, tout se vend et puis c'est du dépôt-vente. Donc voilà. On va monter. Je te laisse monter, comme ça tu leur fais voir un petit peu ce qu'il y a de, ce qu'il y a de haut. J'ai noté les questions qu'on m'a posées. Ah ouais. Tiens, on va aller direct à l'ordi, je vais leur faire voir ce qui est rentré. Hop. Qu'est-ce qui est rentré? Merde. Alors, on a rentré. Non, ça c'est rentré la semaine dernière. On a rentré la Tesla hier. Hop. On a rentré le GTE qui est là. Qu'est-ce qu'on a rentré? On a rentré 7 GTI. Et on en a vendu une cette semaine et on en a rentré une autre. Qu'est-ce qu'on a rentré? Ah, on a rentré le X5. 380 chevaux. On a rentré quoi cette semaine? Tac, tac, tac. Oh, le petit A3, il est là. Le Duster, il est là. La 208, elle est là. La C4, elle est là. On a rentré ce CLA 250 qui a un blanc magnifique. On a rentré ce Range Rover Evoque. 118 000 km. Pas facile à vendre en 150 chevaux. C'est pas les meilleurs moteurs. Mais ça se vend. Tout se vend. On a rentré cette petite Twingo. Hop. Ah, on a rentré une magnifique Cupra Leon aussi. Qu'est-ce qu'elle est belle. Dites-moi ce que vous en pensez, les mecs. Franchement, elle est incroyable. Bleu pétrole, hybride 245 chevaux. Après, il y a d'autres voitures qui sont rentrées, mais on va pas. Alors, du coup, c'était une belle semaine en. On a rentré un T-Roc aussi. C'était une belle semaine en entrée sur le dépôt-vente. Donc, du coup, on a rentré 14 véhicules. 14 véhicules cette semaine, sans se prendre vraiment la tête. Très bonne semaine par rapport à ça. En vente, une, deux, donc Golf 7. Golf 7, je vous ai donné aussi le type sur Insta. Une Golf 7 que j'ai vendue. Que vous avez vu qui était bleu, je me suis fait harceler. Donc, ce que j'ai fait, il y a une dame qui en cherchait une d'urgence. Je lui ai dit trop tard, c'est vendu. Elle avait un budget. J'en ai cherché une sur le bon coin. J'ai négocié et j'ai fait le. Bah, j'ai dit à la personne de venir et que je m'occupais de la vente de son véhicule. Donc, voilà, 1300 euros pris en faisant l'intermédiaire, c'est pas mal. Donc, on a vendu Golf 7 208 GT Line. On a vendu le A3 S-Line, le blanc que vous voyez. On a vendu un Q3 Sportback S-Line. C'était du dépôt-vente. On a vendu un Polo 7. Donc ça fait 5 ventes en 6 jours. Donc pas la meilleure semaine en termes de ventes. Moins de ventes que la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Mais des marges très bonnes. Donc je suis content. Il y a des périodes dans l'automobile où des fois bah, ça vend bien, d'autres ça vend moins. Mais en tout cas, je suis satisfait de la semaine, les mecs. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vous ai dit les ventes, je vous ai dit les véhicules qui sont rentrés. Ah, il est là le T-Roc qui est rentré. Aussi en dépôt-vente. Dommage, il a le cockpit, dommage qu'il a pas le. Dommage qu'il a pas le volant airline là. Ah. La vente ratée de la semaine. Une Citroën C3 née 2016. C'est pas les dernières. Une vente qui a capoté et j'étais dégoûté. Et c'était lundi, si je dis pas de bêtises. C'est de ma faute, j'ai merdé. En fait, si vous préférez, est très bien vendu, hein, 7 490 euros. Un monsieur et une dame viennent, voilà, ils regardent, ils sont à fond sur les factures. La voiture full entretien. Il manque pas une facture d'entretien. Et ils s'attardent vraiment sur les factures, tu vois ce que je comprends. Limite, ils regardent pas la voiture.
À la fin, ils prennent un moment pour réfléchir, ils nous disent j'achète. Et moi, en fait, ce qui m'arrive souvent, ce qui m'est arrivé hier, les clients, ils viennent tous en même temps. Et à ce moment-là, j'étais tout seul. Donc, fallait que je fasse essayer un véhicule, je leur faisais voir le véhicule à eux. Il y a d'autres clients qui m'attendaient pour signer un bon de commande. Donc, je leur ai dit, bon, ils me disent, on prend. Je leur dis, bah, vous voulez venir la chercher quand je vous fais patienter pour signer le bon de commande? Ils me disent, non, non, mais nous, on vient, on l'achète demain. Donc, je leur dis, bon, bah, écoutez, bah, venez demain, je ne vous fais pas de bon de commande, je ne vous demande pas d'acompte, vous venez demain, c'est bon, elle est à vous la voiture. Erreur, je ne me prends pas d'acompte. Je reçois un message du monsieur en fin d'après-midi, début de soirée, qui me demande si le véhicule a été importé. Chose à laquelle je n'avais pas fait attention, qui a été importé en 2016 en Belgique. C'est une première main. On a une traçabilité complète sur le véhicule. Il ne manque pas une seule facture. Et il me dit, bah, il n'en veut plus. Donc j'aurais dû prendre un acompte. J'aurais dû aussi l'en avertir. Mais bon. Quand vous avez une voiture qui est full entretien Citroën, qu'elle a été importée ou pas, c'est une idée reçue de merde. Tout simplement parce que vaut mieux une voiture qui a été importée et qui est tout est transparent sur le véhicule qu'un véhicule qui est français et un entretien sur trois a été fait. Donc c'est complètement con, mais c'est une décision qu'il a prise et bah, je suis passé à côté d'une vente pour ça et j'avais la haine. J'avais la haine, mais aussi erreur professionnelle de ma part, parce que j'aurais dû l'en avertir, mais on apprend toujours, les mecs. On apprend toujours. Donc là, FAQ, je vais répondre à vos questions. Pas toutes les questions, les mecs. Ceux à qui j'ai pas répondu, bah, je vous réponds sur Insta. Et ceux à qui j'ai répondu, bah voilà, vous avez gagné. Vous avez gagné, les mecs. Comment bien négocier une voiture, celle-là? Attends, j'en ai sélectionné combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12. 12 questions, putain. C'est beaucoup, hein. Vos questions, il y a moyen de plus les approfondir. Mais je ne vais pas le faire, sinon la vidéo va durer 10 heures et personne ne va la regarder en entier. Donc, bah, si vous avez besoin de plus de réponses par rapport à ça, n'hésitez pas à me le poser en commentaire ou en question sur Instagram ou ceux qui sont dans le groupe Telegram. Mais voilà, je vais essayer de vous répondre de la manière la plus claire possible. Comment bien négocier une voiture? C'est la première question. Alors, comment bien négocier une voiture? Je vais te donner une stratégie qui est simple, qui marche et qui marche même sur moi. Donc, c'est raisonnable, bien sûr. Je te dis une bêtise, t'as un véhicule qui t'intéresse sur le bon coin qui a 5 000 euros. Sache qu'il y a énormément de personnes qui font des propositions bidons au propriétaire du véhicule. Et ça va pas au bout. Donc, à la fin, il veut plus négocier, le mec. Moi, ce que je te conseille, c'est de l'appeler, lui poser des questions, toutes les questions que tu veux savoir sur le véhicule, ok? Et tu lui fais une offre. Je te dis une bêtise, la voiture est à 5 000 euros. Je reprends l'exemple. À 4 000 euros, je viens tout de suite. Mais faut pas poser les questions après. Tu vois, moi, ça me fait chier, ça. Quand on me fait une offre et après on me pose des questions, ça me casse les couilles, j'ai plus envie de faire la vente. Pose tes questions. Une fois que tu es sûr par rapport aux réponses que tu as eues sur le véhicule, une fois que tu es sûr, fais une offre. Mais mets les conditions. Moi, vous acceptez, j'arrive tout de suite. J'ai l'argent, j'arrive tout de suite. Et je repars avec le véhicule. Voilà. Donc ça, c'est la chose à faire. Et aussi sur le bon coin, si du coup tu recherches des véhicules à acheter à des particuliers, bah, va dans les véhicules les plus anciens. Quand les gens viennent de mettre leur véhicule, ce qui nous arrive aussi en dépôt-vente, ils sont un peu réticents. Et je les comprends parce que, ouais, ils veulent tester par eux-mêmes. Mais sur les véhicules les plus anciens, t'as plus de négo à faire. Donc voilà une petite stratégie. Deuxième question, dépôt-vente, parle-nous-en de comment ça se passe et il est où le bénéf dans tout ça. Très bonne question. Le dépôt-vente, c'est un peu une agence immobilière de l'automobile. En fait, si tu préfères, c'est des particuliers qui vont nous confier la vente de leur véhicule. Alors pourquoi ils vont nous la confier? Parce qu'ils veulent pas se prendre la tête avec des particuliers, ils veulent pas donner rendez-vous en bas de chez eux ou dans un parking. Ils veulent pas avoir bah, des gens comme ça, là, comme toi, qui veulent négocier le prix. Et parce que nous, en tant que professionnels, on va professionnaliser la vente de leur véhicule, on va proposer des services que toi ou eux, particuliers, ne peuvent pas proposer. Garantie, financement, gestion administrative, donc tout ce qui est carte grise, etc. Et surtout, bah,
le sérieux d'un professionnel, même s'il y a des professionnels, croyez-moi, qui sont beaucoup moins sérieux que les particuliers. Les gens préfèrent toujours, surtout sur des véhicules, comme je vous fais voir, qui valent des sous, s'orienter vers des professionnels. Donc c'est un service différent et c'est une clientèle différente aussi, tu vois. Donc voilà pourquoi les gens nous confient la vente de leur véhicule. Il est où le bénéfice dans tout ça? Bon, on se commissionne, c'est pas gratuit. Ça va de 1000 à 1500 euros par véhicule. Donc on définit le prix net vendeur. Quelqu'un nous ramène son véhicule, il nous dit j'en veux 10 000 euros. Nous, on va afficher le véhicule, je te dis une bêtise, à 11 490 euros. Cette marge va comprendre notre service, les garanties et tout ce qu'on propose, la partie conseil, etc. Voilà. Donc, nous, on a une partie conseil. Donc, des fois, les gens, quand ils nous ramènent leur véhicule, c'est trop cher. On sait qu'on ne va pas les vendre parce que le prix qu'ils en veulent, certes, c'est le prix du marché, mais quand on rajoute notre commission dessus, on n'est plus sur le prix du marché. Le but, c'est que le prix qu'ils en veulent plus notre commission, on reste à un prix attractif. Donc on a une partie aussi négociation, discussion, conseil. Ce qui est bien dans ce business, c'est que là, tu as vu, au gars, il y a combien de voitures? Il y en a pas mal aussi, il y a pas mal de reprises, etc. Je sais pas, ce mois-ci, on doit être à 7, 8, 9, 10, 11, 12. On est presque à 20, 23 ou 24 ventes ce mois-ci. Il nous reste 43 annonces en ligne, tu vois. Il y en a une trentaine, c'est du dépôt-vente, tu vois. Et il y a plus de 200 000 euros de véhicules en dépôt-vente, et c'est pas notre stock, tu vois. Il y a une marge, et c'est pas mon stock. Donc moi, je trouve que c'est un business qui est très bien, qui est une manière différente de travailler dans l'automobile. Je vous formerai par rapport à ça dans la nouvelle version de ma formation. Mais c'est un putain de business, les mecs. Croyez-moi, c'est un putain de business. Et surtout quand on sait vendre des voitures et on le mélange à l'achat-revente de voitures. C'est une manière différente de travailler. Okay? C'est plus du démarchage, vraiment être commercial. C'est vraiment différent. Mais c'est pas dur, tu vois. Là, le dépôt-vente, c'est le premier mois que je le fais. Premier mois que je le fais. Le commercial vient de me rejoindre. J'ai rentré une cinquantaine de voitures, moi tout seul, tu vois. Il y a encore des axes d'amélioration, mais magnifique. Magnifique, les mecs. Voilà pour le dépôt-vente. Bien sûr, on peut en parler plus longuement, mais ça sera trop long. Troisième question. Salut, moi j'aimerais savoir si dans tes débuts, j'ai réécrit les questions, j'arrive même pas à me relire. Ça t'est déjà arrivé de vendre à perte? Ouais, bah oui, ça m'arrive encore. Ça m'arrive encore, les mecs. Des fois, les mauvaises affaires, on en fait. Des fois, on se trompe et ça vous arrivera. Je vais pas vous mentir. Si tu veux te lancer dans l'automobile, mon pote, ça va t'arriver, c'est sûr. Le but, c'est d'éviter de vendre à perte le plus possible. Mais ça arrive et c'est pas grave. Sur 5 voitures, si tu vas vendre à perte une voiture. Si tu as perdu 100 euros comparé à ce que tu as investi sur cette voiture, mais sur tout le reste, tu as fait 800, 900, 1000, 1500 euros de marge, ça se rattrape, ça rééquilibre la balance. Donc, non, t'inquiète pas et surtout n'abandonne pas si tu penses putain, j'ai acheté une voiture, j'ai fait une mauvaise affaire, c'est pas fait pour moi. Non, t'inquiète pas, achète bien, apprends à acheter bien et puis step by step et ça va le faire. Mais en tout cas, ça m'est arrivé devant ma perte et ça m'arrive encore. Et il n'y a aucun marchand qui peut dire, ce serait un putain de menteur s'il dit, moi je ne vends pas à perte, ça n'existe pas. C'est un putain de menteur. Mais je pense que personne ne le dira, parce qu'ils sont honnêtes. Faut-il réinvestir? Ça c'est une, deux, trois, quatrième question. Faut-il réinvestir tout le bénéfice quand tu commences ou se sortir un salaire? Comment c'est les mecs? T'as vu, ça c'est des questions où souvent les gens ils me posent des questions, ils n'ont pas commencé, ils veulent direct aller. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ils veulent direct aller dans le compliqué. Mettez la tête dans l'eau. T'as vu, moi, c'est ma manière de faire. J'ai envie de faire quelque chose. J'y vais. Et après, on voit. Tu vois? Je suis pas un abruti. Hein, je me lance pas comme ça. Tu vois? Je vois le large. Et après, il faut faire. Là, ça, c'est une question, mon pote. Faut-il réinvestir tout le bénéfice? Tu verras dans la situation dans laquelle tu seras, verser des salaires. Est-ce que tu vas te verser des salaires? Ça se trouve, tu seras au chômage. Donc, ta première année, si tu ne te verses pas de salaire, tu peux continuer, tu ne te verses pas de dividendes, tu peux bénéficier de ton chômage. Donc, tu vas faire grandir ta trésorerie.
Je sais pas, moi, ça se trouve, t'as un peu d'argent de côté, donc tu voudras pas te verser de salaire, tu te verseras des dividendes à la fin de l'année, ou tu feras grossir ta société, tu te verseras un salaire minimum, est-ce que tu seras en SARL, parce que se verser des salaires, c'est plus intéressant qu'en SASU, tu vois. C'est pas la question qu'on doit poser quand on débute, tu vois. Tu verras. Gagne des sous, quand t'en gagnes, après tu verras ce que tu fais. Maintenant, si tu débutes pas, parce que je dis ça, je sais pas si tu débutes, bah, tout dépend de ta situation. Est-ce que tu vas investir dans l'immobilier de ton entreprise? Donc, verse-toi pas des salaires extraordinaires, puis investis via ta société. Il y a trop de trucs à voir, tu vois. Mais c'est chacun sa manière de faire, chacun ses projets, et chacun aura une orientation différente. Alors, bien sûr, si tu as besoin de manger, ouais, tu vas devoir te verser des salaires, ça c'est sûr. Ou des dividendes à la fin de l'année, puis faire avec sur une année. Okay. Mais à voir. C'est des questions un peu complexes, tu vois. Ça relève de la fiscalité un peu, tu vois. Donc, tout dépend de ta situation. Une, deux, trois, quatre, cinq. Sixième question. Ah non. Cinquième question. Fournisseur enchère le bon coin, tu privilèges quoi? Faut manger partout où il y a du pain, les mecs. Partout. Travailler avec des marchands. Travailler avec les concessions. Ils sont très durs à avoir. Il y a certains secteurs où vous pouvez en avoir encore. Les concessions, c'est bah, le type Renault, Peugeot, qui vont faire des reprises sur les véhicules de leurs clients quand ils vont faire des véhicules neufs, qui vont vendre ces lots à des marchands. C'était là où on avait les meilleures affaires avant, mais ça n'existe presque plus. Sauf pour ceux qui habitent dans des secteurs où ils peuvent. Parce que maintenant, en fait, les fournisseurs, ils travaillent avec les enchères. Bah, les enchères, justement. Les enchères, ouais, je cracherai pas dessus, j'en fais plus, très rarement, très 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 rarement, mais j'ai commencé dessus, je me suis régalé sur les enchères, j'ai pris des douilles de bâtard, ils m'ont fait des trucs de fou, tu vois. J'ai été chercher des voitures et puis j'ai abandonné une voiture, tu connais, tu te rappelles, tu vois, tu sais très bien. On a fait du QAQ du nord de la France jusqu'à chez nous parce qu'on s'est pris une putain de douille sur une voiture. Donc, QAQ, les mecs, c'est pare-choc contre pare-choc. À 2 h du matin, on allait récupérer. Non, franchement, des putains d'histoires. C'était les débuts. Mais début ou pas début, je veux pas faire l'ancien. Les enchères, tu peux toujours t'en prendre une sacrée, tu vois. Mais tu fais des sous aussi, tu vois. Donc, n'aie pas le cœur fragile quand tu fais les enchères. Et surtout, bah, mets-toi pas de tapis, tu vois. Il y a beaucoup de surprises, mais il faut choisir les bons véhicules. Et après, que je te raconte, c'est très 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 rare, hein, tu vois. Par contre, des douilles où ils t'ont pas dit que tu avais un moteur Leavitt qui marchait pas ou que bah, tu as une vanne EGR à nettoyer, tu as un roulement à changer, ça c'est très très souvent, tu vois. Mais voilà, c'est le jeu de l'automobile, on a rien sans rien. Je cracherai pas dans la soupe parce que j'ai fait beaucoup de sous et j'ai commencé grâce aux enchères, mais ouais, c'est quelque chose que. Il y a des particuliers aussi. Il y a un mec qui est un particulier qui m'a ramené une voiture là, qu'on a vendue, qui l'a acheté aux enchères. Donc voilà, il y a toujours des sous. Et c'est un. Faut chercher partout. Faut fouiner. T'as vu comme des petites fouines. Tu cherches partout. Tu peux prendre ou tu peux gratter de l'oseille et tu regardes. Tu fais les enchères. Tu fais le bon coin. T'essayes de démarcher des concessions. Donc voilà, fournisseurs, j'en ai parlé. Les enchères, j'en ai parlé. Il y a les marchands aussi. Aller négocier avec des gros marchands qui, eux, travaillent avec des concessions. En général, c'est des anciens, ils sont en place depuis longtemps. Ils ont des putains de prix sur des lots de véhicules. Mais essayer de discuter avec les marchands. Moi, c'est une façon que j'aime bien travailler avec les marchands parce que. On va laisser sonner le téléphone. Putain de merde! Mais pourquoi t'as les deux qui sonnent en même temps? En plus, lui, je sais c'est qui t'a appelé, il va t'appeler 50 000 fois d'affilée. C'est un lèche de malade. Désolé les mecs. Plus point de montage, j'ai la flemme de couper, donc ça restera. Ouais, je vous disais. Donc ouais, ces marchands-là, bah, ils travaillent eux avec des concessions et ils achètent des lots de véhicules. Ce qui est bien, moi, ce que j'aimais quand je travaillais avec des marchands, et moi aussi je travaille avec des marchands encore aujourd'hui. Et je vends aussi des véhicules à des marchands. Ce qui est bien, c'est que
Ah, t'as pas le couteau sous la gorge comme aux enchères. Aux enchères, t'as acheté le véhicule, tu l'as pas vu, ou il est passé comme ça devant toi, et puis t'avais le, je sais plus comment on appelle ça, là, le commissaire freezer, là, qui te vend la voiture, mais t'as pas eu le temps de l'analyser. Là, tu vois le marchand, tu regardes ce qu'il te propose, ouais, celle-ci, tu peux me faire un prix marchand, celle-ci, tu peux me faire un prix marchand, et voilà, t'essayes et t'as pas le couteau sous la gorge. Si tu bricoles pas ou tu veux pas faire mécanique, tu vas pouvoir sélectionner tes véhicules. Le bon coin, trop sous-estimé. C'est un truc de malade. Je vous ai dit, là, j'ai vendu une voiture, tellement je me faisais harceler, j'en ai trouvé une autre sur le bon coin. Les gens, en fait, quand ils rentrent dans l'automobile, ils se disent, ouais, moi, il faut des plans, t'as vu, je rentre dans un business, il faut un plan spécial pour ce business, pour le faire. Non, les mecs, on ne réinvente pas la roue, il y a de l'argent de malade sur le bon coin. Et d'ailleurs, avec quelqu'un que je vous présenterai bientôt sûrement, il est en train de monter quelque chose de fou malade pour vous trouver des affaires de fou sur le bon coin. Ce que je vous dis, c'est même pas un partenariat ou quoi que ce soit. Je suis en train de le tester en avant-première. Je vais regarder ce que ça vaut vraiment. Mais sur l'idée, sur le concept, c'est un truc de malade, des affaires de fou. Donc on en parlera si vraiment ça fonctionne. Ok? Pour l'instant, je ne veux pas vous vendre un truc alors que j'ai pas vraiment eu de résultat par rapport à ça. Je vais le tester et on verra ce que ça donne. Mais sur le papier, c'est un plan de malade, les mecs. Donc ouais, le bon coin à surtout pas négliger. Il y a des affaires à faire. C'est sûr que c'est pas en faisant la première voiture que je trouve une affaire. Mais les gars, il y a des grattes de malade à faire sur le bon coin. Il y a des découpes de fou à faire. Il faut juste se prendre la tête et c'est comme ça. N'importe quel business que tu fais. Il y a des jours que tu vas rien trouver pendant 3 jours sur le bon coin et un jour que tu vas trouver une voiture. Moi, ce que j'aimais sur le bon coin, c'est que j'achetais des voitures sans mécanique, sans rien faire. C'était tout. Je négociais, je réfléchissais plus cher, je vendais en prend. Et comme ça, je faisais de belles grattes sur le bon coin. Prochaine question. Quels sont les points clés à vérifier avant d'acheter un véhicule? Tout d'abord, les papiers. Est-ce que le véhicule est gagé? Est-ce qu'il n'y a pas une carte grise de retard, etc. Donc ça, c'est à vérifier. S'il n'y a pas un joint de culasse. Alors ça, je vous ai déjà fait des vidéos. Là, il faudrait une voiture là pour se faire voir les points de contrôle à vérifier. On en fera une. Et j'aimerais en faire une avec un mécanicien qui saura mieux vous parler en profondeur de ce sujet-là. Mais moi, ce que je fais, déjà les papiers. Je regarde s'il n'y a pas de fuite d'huile. Je regarde les pneus parce que c'est un truc qui change, mais c'est un truc qui coûte cher. Si t'as 4 pneus à changer, t'as 1000 euros de gratte et t'as 300 euros de pneus à changer, ça met un gros coup dans le bénef. Et j'essaye la voiture. J'essaye, c'est tout, tu vois. Après, avec l'expérience, tu sais ce qui pue et ce qui ne pue pas, ce qui te coûte pas cher et pas une biellette, tous ces petits trucs-là, des plaquettes et tout, ça vaut rien. Une vidange, ça vaut rien. Mais si t'as une grosse fuite d'huile, oublie. Si t'as de la mayonnaise dans le bocal de liquide de refroidissement, oublie. Si elle fait un bruit vraiment chelou, elle galère à démarrer, t'as le turbo qui siffle quand t'accélères, et t'as pas une super grosse gratte sur le véhicule, oublie parce que c'est des choses qui peuvent te coûter cher. L'embrayage, si t'as une boîte qui craque, t'as des trucs qui vont vraiment plomber ton bénéfice, faut oublier, mais ça on rentrera plus dans le détail. Combien de ventes par mois peut-on réaliser quand on débute avec 6 ou 8 000 euros? Combien peut-on espérer se générer? Alors, soit on va partir sur 8 000 euros, on va pas partir sur 6 000 euros. Moi, ce que je te conseille, je réfléchis en fait. Et là, tu m'as posé une question, je n'ai même pas réfléchi avant, donc. Je vais te donner la meilleure stratégie à faire avec tes 8 000 euros. T'achètes, ça fait combien? T'achètes 5 véhicules. Attends, je prends la calculette. Hop. Ah, si t'achètes 5 véhicules, ça te fait une moyenne de 1 600 euros. Avec 8 000 euros, ça te fait une moyenne de 1 600 euros par véhicule. Ok? Si tu as 500 euros de marge par véhicule, tu vois, et t'en vends 3 minimum, donc sur tes 5 véhicules, t'as 500 euros de marge, et t'en vends 3 sur les 5, ça te fait 1 500 euros de marge, tu vois.
Après, ça dépend ce que tu appelles un salaire. Est-ce que pour toi c'est bien? Si tu débutes, c'est bien. Si tu débutes avec 8K et tu arrives à générer 1 500 par mois, c'est magnifique. Donc ouais, et une moyenne de 1 600 euros, donc tu vas pouvoir t'acheter de la Mégane 2 casquettes, du Scénic 2, du Clio 2, du Clio 3 avec un peu de kilomètres, des véhicules qui se vendent vite. Moi, je te conseille de faire ça, que plutôt d'acheter, tu vois, là, je t'ai dit, tu aurais 5 véhicules avec tes 8K. C'est une moyenne, c'est un exemple. Moyenne de prix de véhicule à 1 600 euros. Ok? Le véhicule te reviendrait à 1 600 euros. Peut-être tu l'as acheté 1 500, tu as fait un CT, travail, travail. Parce que le problème, c'est que si avec tes 8K, tu achètes 2 véhicules à 4K, peut-être que tu vas prendre 1 000 euros par véhicule, mais imagine, tu n'en vends qu'un. Tu vois? Alors que les petits véhicules que je t'ai dit, 3, j'étais pessimiste de fou. Si t'es au bon prix, si tes véhicules sont propres, en un mois, t'as vu tu sais, la Clio 3 et tout, frère, ça te reste pas un mois dans les pattes, c'est impossible. T'as eu même du Scénic 2. Sauf si tu m'as acheté un Scénic 2 rouge, ou vert, ou t'as vu toutes ces voitures-là. Mais tant que tu restes dans des choses propres, correctes, demandées, petit budget, un mois, les doigts dans le nez, tes 5 voitures à part. Mais vas-y, vaut mieux qu'on calcule un truc pessimiste, tu vois. En vend 3 avec des marges de 500 euros, c'est pas des grosses marges, je suis pessimiste, ça fait 1 500. C'est que 8K, t'achètes 2 voitures à 4K et tu vas commencer à être stressé parce que c'est, tu vois, après, c'est pas des gros sous aussi, hein, des voitures à 4 000 euros, tu vois. Mais tu vois, par exemple, la petite 208 essence, bon, c'est un peu plus cher, mais ça se vend pas aussi facilement qu'une Clio 3, qu'une petite 206, voilà. En vrai, suis le premier exemple. Fais des bonnes affaires sur tes petites voitures à 4K, 3, 3 500, tu vois. Mais va pas acheter, tu peux le faire aussi, mais je te déconseille une seule voiture. Je vais acheter une voiture à 8K, si tu la vends pas, tu auras le seum, tu vas dire putain, ma trésor elle dort. Et ça, il y en a beaucoup qui le font quand ils commencent. Leur trésor elle dort et bah, ils bradent. Tu vois, parce que là, il commence à se stresser. Tu vois, il y en a plein, ça, dans l'automobile. Ah ouais, en fait, ah, vas-y, il faut que je récupère mon argent. Hop, je baisse le prix, je rebaisse le prix jusqu'à que je vende. Et à la fin, là, tu vends à perte. Donc voilà un petit exemple. Putain, tu m'as fait faire des maths. Des véhicules qui se vendent en 24, 24, 48 heures. Ah, je vous dis ça, je vous chauffe un peu sur Insta, je vous dis. Et regarde la preuve. Tu vois, Gold 7, je vous en ai parlé. Je vous ai donné l'exemple de la Golf 7, je vous ai dit à quel prix, kilométrage, le 208 GT Line aussi. On va faire voir, on va faire voir le bon de commande de la 208 GT Line. Attends. 208 GT Line, ça, on sait jamais, les gens ils disent je suis un mytho, tu vois, ils disent ah, il dit 24 heures, t'as vu? Regarde. Hop. 15 990 à converser 500 euros. Moi, j'ai raté le store à l'arrière presque. Voilà, 73 000 km. GT Line. Lui a approuvé. Si tu veux une assurance, je t'enfile une aussi. Voilà. Non, je justifie plus les mecs. Hein. Je justifie plus. C'est là juste, je vous dis des voitures qui se vendent en 24 heures. C'est juste pour vous faire voir que c'est des voitures qui se vendent vite. Mais bah, faut acheter des voitures. Déjà, n'achète pas de ce que je vous disais aussi sur Insta, n'achetez pas de PureTech, c'est une galère à les vendre, même pas cher, c'est une galère à les vendre. Mais il y en a plein, tu vois. 208 diesel, ça se vend bien. En tête comme ça. Scénic 2 en petit budget, ça se vend très très bien. Golf 8 en gros budget, ça se vend très très bien. Enfin, en gros budget, il y a toujours plus gros. De tête, C4 Picasso, boîte auto, même si les boîtes c'est de la merde, ça se vend bien. Tu vois, quand je commençais l'automobile, j'en vendais beaucoup. Opel Corsa, 3 portes, 5 portes, ça se vend bien. Ford Fiesta, Seat Ibiza, Tipps, ça c'est des voitures que je vous conseille d'aller chercher en Belgique. Vous les trouverez moins chères. Aujourd'hui, là, je m'écarte un petit peu de la FAQ, mais. Et c'est un sujet qu'on abordera. Le marché automobile est plus tendu, tu vois. On vendait mieux une période, mais il y a toujours du pain. Ça s'arrêtera jamais. Les gens ont toujours besoin de rouler, tu vois.
de nous faire ce qu'ils veulent dans l'automobile, arrêter toutes les diesels, mettre que de l'électrique, il y aura des voitures électriques d'occasion. Donc le business de l'occasion, pour moi, c'est le meilleur. Mais avant, on achetait des véhicules moins chers. Et maintenant, tu as vu, marchand, ça nous frustre parce qu'on les. Putain, avant, je les achetais ce prix-là, maintenant, je les achète ce prix-là, mais c'est des malades. Mais de l'autre côté, bah, vu qu'on achète plus cher, on vend plus cher. C'est comme le boulanger. Sa baguette, elle valait 60 centimes. Maintenant, il achète sa farine plus chère. Sa baguette, elle se vendra 1 euro. Et on n'a pas le choix. C'est comme ça, les mecs. Donc, je me suis un petit peu écarté du sujet. Mais ouais, Opel Corsa, Seat Ibiza, Clio 3, Clio 2, C3 phase 1, C3 phase 2, Scénic 2, Familial, Scénic 2, C4 Picasso. Gros budget, je t'en sors une de tête qui se vend bien, la Golf 8. Après, en gros budget, il n'y a pas beaucoup de voitures qui se vendent hyper bien. Tu vois, ça, c'est pas vrai. Sauf si t'es vraiment en dessous le prix du marché. Mais c'est la loi de l'offre et la demande. Il y a plus de demandes pour du Clio 3 que pour un CLA 2022. Tu vois ce que je veux dire? Sauf si ton CLA 2022, t'es le moins cher de France. Et ben là, tu vas le vendre vite. Mais sinon, si t'es au prix du marché, ben, faut patienter. Ton bénéfice sera normalement plus gros que sur une Clio 3. Mais l'investissement n'est pas le même et le temps de vente n'est pas le même. Le roulement n'est pas le même. Pour ces petites voitures que je vous ai citées, Corsa, Ford Fiesta, etc., achetez-les en Belgique, pour ceux qui sont pas loin, c'est pas cher. Et n'hésitez pas aussi à démarcher des marchands en Belgique pour qu'ils vous vendent des véhicules. On parlera des véhicules, bah, comment les faire importer, qu'est-ce qu'on doit payer, les papiers, etc. Je suis aussi en train d'essayer de négocier pour vous la team. Des véhicules à des gens qui travaillent avec des marchands en Belgique pour essayer de faire des prix marchands. Vous promets rien, mais on travaille, croyez-moi, il y a plein de trucs bien qui arrivent, je vais vous faire gratter les mecs. Je vais tout faire pour vous faire gratter et vous mettre dans le bon plan. Est-ce que tu nous conseilles de mettre des annonces en particulier ou en pro? Ben non, je conseille en pro, même si je me sens violé, ils me violent le bon coin, ils me violent tous. Je crois quand on a commencé l'automobile, c'était quoi une annonce 8 euros ou 13 euros? Frère, je paye 70 euros une annonce 10 photos. Tu vois, quand les gens me disent tu peux m'envoyer d'autres photos, j'ai envie de mourir déjà. Tu vois? La remontée, c'est 23 euros. Non, 9 euros et quelques. 23 euros, c'est la modif. Mais moi, les gars, ça va encore, j'ai une boutique que je paye tous les mois. Mais quand je dépasse ce forfait de cette boutique, je dois payer des annonces. Moi, le bon coin, c'est plus cher que mon loyer. Et j'ai pas un loyer gratuit, tu vois. Le bon coin, c'est plus cher que mon loyer. Mais on n'a pas le choix, ils savent, c'est la loi de l'offre et la demande. Mais je te conseille toujours de mettre tes annonces en pro parce que tu vas perdre la clientèle des gens qui décochent particulier sur le bon coin. Tu vois. Faut se professionnaliser. Pourquoi? Vous voulez vendre plus cher, faire de l'argent avec l'automobile. C'est-à-dire que tu as fait une affaire et tu vas la vendre plus cher. Mais qu'est-ce qui justifie ça? Il faut que tu professionnalises ton truc. Tu vends avec des garanties, tu es professionnel, tu vois. Tu donnes une voiture propre, une voiture qui a été entretenue, révisée. Sinon, comment tu vas vendre pas cher? À moins que tu as fait une affaire de fou malade mental. Ça arrive tous les 10 ans. Tu vois, t'en fais une par an. J'abuse quand je dis 10 ans. Mais vaut mieux faire plein de moyennes affaires, comme on dit, t'as vu comme mon cousin me dit, qu'une seule et très bonne affaire. À la fin, regarde ce qui est le plus rentable et tu verras bien. Donc, je te conseille de mettre en pro. Voiture, modèle, ça c'est notre question. Voiture, les modèles à ne surtout pas acheter. Bah, les voitures de couleur, tu vois. Voiture de couleur verte, etc. Tu vois, il n'y a pas beaucoup. En fait, toi, tu vas faire ton étude de marché selon le prix du marché. Mais sauf que les gens ils veulent pas ta voiture. Donc pour la vendre, tu vas devoir être affiché plus cher. C'est dur à vendre. PureTech, je vous l'ai dit aussi, tu vois là, j'ai du PureTech qui sont pas chers. En 3008, en 208. Impossible à vendre. Enfin, VTI, PureTech, c'est la même merde. Mais c'est une galère à vendre. Et les voitures qui sont vieilles et qui n'ont pas beaucoup de kilomètres parce qu'elles sont chères. Voilà, il y a un pote à moi qui m'a envoyé une voiture. Mon frérot roulait, m'a envoyé une voiture, m'a dit qu'est-ce que t'en penses, c'est une 208, elle a pas beaucoup de kilomètres, mais elle est trop chère, tu vois. Alors certes, elle a pas beaucoup de kilomètres, elle est propre, mais c'est dur à vendre, tu vois. Parce que c'est du coup c'est trop cher, c'est trop vieux.
Et dernière question que je vais répondre aujourd'hui, bah, ton parcours scolaire. On demande à l'autre Gugustère le téléphone. Non, bah, parcours scolaire, moi j'ai arrêté l'école au lycée, j'ai même pas le bac, hein, donc tout est. Je conseille pas d'arrêter l'école, surtout pas. Hein. Mais pour moi, il faut continuer l'école quand tu as un métier en tête précis. Tu vois, tu veux être avocat et pour ça, il faut des diplômes. Tu veux être médecin, pour ça, il faut des diplômes. Tu veux être ingénieur et pour ça, il faut des diplômes. Mais sinon, ça sert à rien de faire un BTS commerce. Moi, j'en vois BTS licence commerce. Et ça veut pas te vendre un. Ça va rien vendre, frère. C'est tombé, quoi, ça. Tu vois. Non. J'ai arrêté l'école en terminale. J'ai même pas passé mon bac, donc voilà. J'ai eu le brevet par contre. Mon père, il m'avait dit, si t'as le brevet, je t'achète une DERT. Appelle les DERT. Bah non, il m'a acheté une trottinette électrique, une trottinette à moteur. Et on est passé de. Voilà. Mais voilà les mecs, pour la petite FAQ, on se voit dans la prochaine vidéo. Et puis, à bientôt. Suivez sur Insta, mettez les commentaires si vous avez des questions. Et voilà la team. Ciao.